Bon, les gars. Il est où? En carême. Il est où? Lui, il est devenu musulman. Il est musulman. Il est en carême. Donc, il est un peu en voyage. Il est devenu musulman. Ah, il est musulman. Hein. Voilà ça. Hein. Donc, voilà, le Lolo Boss. Il est tellement pleuré. Ma voix même est tellement partie. Faut dire, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. Donc, donc, ma petite soeur. Une fois mon frère, franchement, je me confesse. Ouais. Quand mon frère est fâché contre moi, ouais, j'ai trop de problèmes. Mm-hmm. Franchement. Ouais. Comme mon onction, comme mon onction qui tue toi. Oui, c'est pas bon. Donc, voilà. Les abonnés du général, voilà, ouais, je me mets à genoux. Ouais. On continue toujours, ouais, de demander pardon, de demander pardon au général. Ouais. Moi, je me mets à genoux pour demander pardon, Lolo Boss. Oui. Mais j'ai tout attaqué votre maman aussi. C'est toi pour mon bien. Voilà, c'est ma première maman. Oui. Voilà, lève-toi, ma petite soeur. C'est pour mon bien. Lève-toi, ma petite soeur. Merci, mon gars. Voilà. Donc, aujourd'hui, puisqu'en deux jours, là, même quand il m'a demandé, il a accepté mon pardon, j'ai grossi en même temps. Il t'a dit. Chaque nuit, je suis là, je pleure. Tu as vu ça? Mais c'est le jour du. Il t'a dit. Une fois que je dis, ouais, mais c'est ça, le petit côté, mais ça doule. Franchement, excusez-moi de ma mine. Quand j'ai vu mon frère, il a commencé à pleurer. En tout cas, on a pleuré. Donc. Ma petite soeur. Oui. Voilà, son choix est désormais mon choix. Voilà, si elle veut, elle a choisi qui elle veut. Voilà, c'est mon choix. Fais-moi confiance. Même si Seni Kramba m'a dit, je retourne à Seni Kramba, je n'ai pas le choix. En tout cas, merci aussi choix à Seni Kramba. Mm-hmm. Malgré tout ce qui s'est passé, il est resté dans la vérité. Ouais. En tout cas, il a très bien parlé de moi, c'est et tout ça. Mm-hmm. Franchement, Seni Kramba aussi, c'est... si j'ai dit des choses aussi qui t'ont blessé, je te demande aussi pardon. Mm-hmm. Voilà, au jour d'aujourd'hui, mm-hmm, je ne veux même pas être en tout cas les gens peuvent me nous clasher, me clasher, mm-hmm, mais je ne donnerai pas l'occasion aux gens, mm-hmm, de toujours alimenter leur haine. C'est vrai. Je veux plus de problèmes avec quelqu'un, je veux vivre à l'aise. Aujourd'hui Dieu me bénit, mm-hmm, mes produits marchent, mm-hmm, je voyage, mm-hmm, je n'ai pas de problème, mm-hmm, donc les clashs, problème, c'est inutile, c'est inutile. Et vraiment, franchement, moi mon message s'adresse à l'État de Côte d'Ivoire. Franchement. Il y a eu un incident dans l'un des directs de ma petite sœur. Ensuite, elle a voulu se justifier. Oui. Cela a été très mal interprété par tout le monde. Oui. Moi, j'aimerais, avec sa permission et son accord, demander pardon à tous les Ivoiriens. Oui. Pardon à la justice, pardon au chef de l'État, pardon à toutes les composantes de la nation, surtout aux guides religieux. Oui. Beaucoup qui m'ont contacté, des imams qui m'ont dit, mon général, parle à ta sœur. Ce qu'on voit là, on la respecte trop. Nos femmes la suivent. On veut pas que ça soit maintenant, ça soit pris comme étant maintenant un problème. C'est ma petite sœur. La Lolo Beauté d'avant n'est plus la Lolo Beauté de maintenant. Il y a longtemps, j'ai changé. Il y a longtemps, Lolo Beauté a trop changé. Franchement. C'est nous qui devons l'encourager. Donc vraiment, je me joins à elle, à son pardon qu'elle a déjà demandé pour demander encore pardon. Et dis à tout le monde que c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Voilà. Voilà. Je suis très content de la retrouver. Bénis-moi, bénis-moi. Ma soeur, tu es bénie. Amen. Que le Seigneur t'élève encore. Amen. Qu'il te donne la santé, la longévité. Amen. À toi et à tous tes enfants. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es une battante. Oui. Seul, tu t'occupes de combien d'enfants? Cinq. Cinq enfants. Seul. Oui. Seul. C'est pas toutes les femmes qui peuvent le faire. D'autres allaient rentrer dans la prostitution. D'autres dans la dépression. Tu as vendu le charbon. Tu as vendu les galettes. Aujourd'hui, tu vends tes produits. Oui. Que Dieu continue de t'élever. J'ai mes agences de transfert d'argent. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Merci, ma petite soeur. Merci, mon grand. On est ensemble. Les gars. Je peux vivre maintenant. Hé, le bandit, là. Hé, hey, toi, petit, là. Faut bien finir ton carême, là. Tu vas venir me voir. Vraiment, que Dieu nous bénisse. C'est la famille. Oui. Il n'y a pas plus. Je m'adresse à tous ceux qui ont des familles déchirées. Oui. Dans des familles, actuellement, il y a des divisions et il y a des palabres, souvent pour des problèmes d'héritage et autres. Asseyez-vous et parlez-vous. Oui. On n'a pas de vie. N'attendez pas la mort pour vous réconcilier. Réconciliez-vous vivant et profitez de la vie.
Que Dieu vous bénisse. Shalom.